Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons revenir sur vous ce soir pour continuer notre enseignement que nous avons commencé depuis la semaine passée. Nous sommes en train de parler de marcher selon l'Esprit. Et la fois passée, nous avons abordé un sous-thème. Il vous conduira dans toute la vérité. Et nous avons exploité ce sous-thème-là qui fait partie de l'ambition, de la mission du Saint-Esprit dans nos vies. La deuxième ou le deuxième sous-thème que nous voulons exploiter aujourd'hui, il vous annoncera les choses à venir. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu nous apprend que le Saint-Esprit qui vient en nous nous annoncera des choses à venir. Et nous trouvons ce texte dans Jean chapitre 16, le verset 13. Jean chapitre 16, verset 13. Dans Louis II, il est écrit: quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il entendra de moi. Et il vous annoncera les choses à venir. C'est ça qui nous concerne aujourd'hui. Il vous annoncera les choses à venir. Qu'est-ce que cela veut dire? Et comment pouvons-nous comprendre cet aspect des choses? Je vais présenter ce sous-thème en trois points. Le premier point, j'aimerais un peu expliquer les termes, parce qu'il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Lorsque nous entendons, il vous annoncera les choses à venir, on a l'impression qu'il va nous annoncer des choses qui viendront après plusieurs années. Et nous nous attendons seulement à cet aspect des choses. Je vais expliquer juste deux termes. Le mot annoncer, le verbe annoncer et les choses à venir. Dans la Bible, comme vous savez, le Nouveau Testament est écrit en grec. Et le terme annoncer, c'est angelo. Anagelo. Ce terme-là est composé de deux mots. C'est très important que vous puissiez comprendre ça. Il y a deux mots là-dedans. Ana et puis agelo. C'est, le ana veut dire d'en haut. Ça montre une provenance. Donc, quelque chose qui vient d'en haut, qui vient de quelque part. Et puis angelo, c'est le même mot avec ange. Angelo, c'est le même mot. Ça veut dire le message. Ça veut dire quelque chose. C'est le même mot avec ange, avec pasteur, avec messager, je voulais dire. Mais ça veut dire. Je n'entre pas dans les détails pour ne pas vous embrouiller. Mais c'est écrit sous une forme continuelle. Parce que anno a le sens de quelque chose de continu. Donc, le verbe annoncer ici, qui est traduit par anagelo, veut dire apporter ou faire parvenir un message d'en haut à main propre, à la destination. Faire parvenir continuellement un message qui vient d'en haut à main propre à quelqu'un, à la destination. Retenez ça. Le deuxième mot, c'est les choses à venir. Erkomai.
Erkomai. Donc vous pouvez, quand même en prendre un peu de grec en confinement. Ça veut dire venir, apparaître et accompagner. Donc si nous devons reprendre ce verset, il vous annoncera les choses à venir. Je le traduis autrement. Nous pouvons le dire ceci. Il vous fera parvenir continuellement en main propre les choses qui vont arriver ou qui vont apparaître ou qui vont vous accompagner dans votre vie. Voilà maintenant le sens. Quand le Saint-Esprit sera en vous, il prendra les choses qui sont à moi. Il va vous les faire parvenir continuellement. Il va faire apparaître ça dans votre vie. Et ces choses, il va faire de sorte que ça vous accompagne toute votre vie. Donc, bien aimé dans le Seigneur, il y a de nouvelles choses que tu n'as pas encore vues, que le Saint-Esprit va faire apparaître. Et puis, il ne fera pas apparaître une seule chose. Il y a plein de choses et il sera en train de faire apparaître ça continuellement. Est-ce que tu sais que continuellement, il y a un message qui vient du ciel pour toi, continuellement. Il y a une vérité qui vient du ciel pour toi, continuellement. Dieu envoie quelque chose dans ta vie qui doit apparaître, qui doit t'accompagner, qui doit aller avec toi, qui doit t'aider à voir l'avenir, qui doit t'aider à voir le lendemain de ta vie. Alors, ayant circonscrit ce texte ici, nous voulons voir notre deuxième point. Dans quel domaine le Saint-Esprit nous annonce des choses à venir? Il vient nous apporter ces messages-là d'en haut de manière continuelle pour faire apparaître dans notre vie des choses qui doivent nous accompagner dans notre ministère et dans différents aspects de notre vie. Le premier texte que nous lisons, des Apôtres, chapitre 22, le verset 10, il sera aussi accompagné des Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 1 à 3. Nous lisons d'abord Actes des Apôtres, chapitre 22, verset 10. Alors je dis, que ferai-je, Seigneur? Et le Seigneur me dit, lève-toi, va à Damas, et là, on te dira tout ce que tu dois faire. Il s'agit de l'apôtre Paul. Il a eu une vision, une révélation. Et nous devons comprendre que le premier secteur dans lequel le Seigneur veut nous annoncer des choses, c'est le secteur de notre appel, c'est le secteur de notre mission, c'est le secteur des raisons pour lesquelles Dieu veut que nous soyons là. Et l'Esprit de Dieu est venu pour nous montrer ce que nous devons faire, pour nous orienter et nous révéler la volonté de Dieu dans notre vie par rapport aux choses que nous devons accomplir. C'est ce que nous trouvons dans les Actes des Apôtres, chapitre 13, versets 1 à 3. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaen, qui avait été élevé avec Hérode le tétraque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Aussi longtemps que le Saint-Esprit n'avait pas donné cette directive, ils étaient
tous ensemble. Ils priaient ensemble jusqu'au moment où le Saint-Esprit vient révéler l'avenir de l'apôtre Paul, vient révéler la mission de l'apôtre Paul, vient révéler le temps qu'il devait entrer en mission. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, le premier secteur dans lequel l'Esprit vient nous révéler l'avenir, c'est dans notre mission. Il n'est pas bon de vivre sans savoir ce qu'on doit faire dans l'avenir, à quoi Dieu nous appelle, qu'est-ce qu'il veut que nous fassions. Nous ne devons pas faire des choses par tâtonnement ou par habitude, ou parce que nous n'avons rien d'autre à faire. Il faut réellement être dans le secteur dans lequel Dieu te veut. Et il est important d'avoir les directives de l'Esprit pour être sur le chemin où tu dois être. Et le Saint-Esprit nous a été envoyé non pas seulement pour nous conduire dans toute la vérité, mais pour nous révéler ce qui doit arriver dans notre vie, ce que nous devons faire dans notre vie, la direction que nous devons prendre dans notre vie, ce que nous allons devenir. Nous allons le voir un peu plus tard. Il utilise des mécanismes, des visions, des songes et de tout ça pour nous montrer ça. Alors ça ne m'étonnerait pas que tu commences à rêver que tu es quelqu'un là quelque part avec des grandes personnes. Il est en train de te prévenir que ton avenir va dans telle direction. Il va ouvrir ton intelligence pour te projeter dans l'avenir et que tu te vois toi-même dans l'avenir. Ce que Dieu a prévu pour toi, c'est parmi les choses que tu devais chercher, c'est parmi les choses qui doivent faire l'objet de ta soif, de tes prières, afin qu'il réponde et qu'il t'ouvre les yeux afin que tu vois tellement ce qui t'attend dans l'avenir. Il est possible par rapport à ta mission, par rapport à la vision que Dieu a pour ta vie, par rapport à l'appel de ta vie, que Dieu commence à te montrer les choses que tu feras, que Dieu commence à te montrer la direction que tu vas prendre. C'est le rôle de l'Esprit. Et je prie que l'Esprit en toi commence à ouvrir ton avenir et te montrer ce à quoi tu dois t'attendre afin que tu marches dans la vérité, afin que tu marches dans la connaissance de ce que tu dois, de ce qui t'attend ou de ce que Dieu a préparé pour toi. Dieu a dit à Jérémie, il ne faut pas dire que tu es un petit enfant, car depuis le ventre de ta mère, je t'avais déjà appelé, je t'avais choisi pour que tu sois prophète. Il lui a indiqué la mission, le rôle qu'il devait jouer dans la vie. Et le Saint-Esprit, il ne veut pas que nous apprenions ces choses par quelqu'un d'autre. Il veut que par lui nous puissions discerner notre rôle et que nous puissions jouer ce rôle-là avec lui. C'est pour que pendant la marche, il nous fasse grâce de recevoir continuellement ce qu'il nous faut, des choses qui doivent nous accompagner dans la direction vers laquelle il nous envoie. Joseph avait rêvé, comme nous le verrons plus tard. Il avait reçu une révélation sur ce qu'il deviendrait, même si c'est pendant 5 ans seulement que tu dois le devenir, même si c'est pendant 3 ans seulement. Il y a des événements qui changent tout
totalement la vie des individus. Il te montrera pas toutes les choses, mais des choses qui vont avoir un tournant décisif dans ta vie. Il va te les montrer. Les milestones, comme on dit, les choses qui vont transformer ta vie au point où avant cette chose-là et après cette chose-là, ta vie ne restera plus la même. Alors, deuxième secteur dans lequel l'Esprit travaille pour nous révéler des choses à venir, nous apporter d'en haut les choses qui doivent nous accompagner, c'est dans le secteur de la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu. Dieu veut que nous puissions le connaître. Et il faut que nous puissions très bien le connaître. C'est dans la mesure où nous le connaissons très bien que nous allons très bien le servir. L'apôtre Paul souligne un certain nombre de choses que j'aimerais aussi souligner ici. Dans Éphésiens chapitre 1, verset 15 à 19. Éphésiens chapitre 1, verset 15 à 19. Il dit ceci: c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et des révélations dans sa connaissance. Ça, c'est le premier élément. Qu'il vous donne le Saint-Esprit. Et que le Saint-Esprit vienne jouer le rôle de l'esprit de sagesse et de l'intelligence. Si tu es intelligent, tu auras toutes les informations nécessaires pour bien décider. Donc le Saint-Esprit te montrera des pièges, te montrera des choses qui pourront te permettre de te décider correctement. Le Saint-Esprit t'apportera la sagesse, la capacité de faire de bons choix, de prendre de bonnes décisions. Il te donnera la capacité de résoudre les problèmes de ta vie. Mais il viendra avec l'intelligence et avec la sagesse. Mais sa manière de parler, il va te révéler des choses qui te rendront sage. Il va te révéler des choses qui te rendront intelligent par la parole, par les visions, par des songes. Il te préparera pour que tu comprennes certaines choses. C'est pourquoi il faut faire très attention avec le langage de l'esprit, parce que chaque fois qu'il t'expose à certaines visions, à certains songes, à certaines pensées, il t'expose à la sagesse, il t'expose à l'intelligence. Au fur et à mesure que tu reçois ces visions, tu deviens intelligent, tu deviens sage, parce que tu te dis: ah, Dieu m'avait déjà montré ça, ah, cette histoire j'avais déjà vu. Donc dans le temps, tu marches avec les yeux clairs, les yeux ouverts. D'ailleurs, c'est le deuxième terme qui est ici, au verset 18. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Donc, dans d'autres versions, surtout des versions en anglais, on dit qu'il ouvre les yeux de votre intelligence. Donc que votre intelligence ait les yeux pour voir quoi? L'espérance.
Donc quand les autres doutent de quelque chose qui doit venir dans l'avenir, toi tu vois l'espérance là-bas. Toi tu sais qu'ici, je vais m'en sortir. C'est comme un agriculteur. Hein. Vous venez, vous passez un champ là, mais lui il vient et dit, ici là, dans 6 mois, il y aura des maïs ici. Il a la connaissance dans le temps des choses qui doivent arriver. Et quand il voit des petites pousses, des plantes, il voit déjà l'héritage qu'il a. Et puis nous aussi, le Saint-Esprit en nous fait voir les gens. C'est nous qui sommes distraits. Il y a des gens, Dieu leur parle même dans les songes. Ils se rappellent de rien du tout. Rien du tout. Et d'autres même, ni songe, ni rêve, ni quoi, rien. Non, c'est pas normal. Je prie pour toi ce soir. Quelque chose va t'arriver. Il y a un qui est actif en toi. Il s'appelle le Saint-Esprit. Il est le Dieu des visions. Il est le Dieu des réalisations. Il est le Dieu des révélations. Il est le Dieu qui te fait voir au travers des scènes que lui-même fabrique. Pour que tu voyes des choses qui te rendent sage. Tu vois un accident en train d'arriver. Et puis tu évites de passer ce jour-là. Tu vois des choses avant que cela n'arrive. Tu le vois. Parce que Dieu veut te rendre intelligent. Et comme je dirai un peu plus tard, s'il te montre ça, cela ne veut pas dire qu'absolument ça va arriver comme ça. Tu peux négocier pour que ça n'arrive pas si c'est quelque chose de mauvais. Et tu peux accepter vraiment commencer à prier pour que ça arrive si c'est quelque chose de bon pour ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, il nous a donné un esprit de sagesse et d'intelligence pour que nous puissions avoir les yeux de l'esprit, de l'intelligence. Et les yeux en question nous font découvrir 3 choses. L'espérance qui s'attache à notre appel. Dieu ne nous a pas appelés pour désespérer. Il nous a appelés pour espérer à quelque chose de bien. Donc notre appel nous fait avancer vers l'espérance, quelque chose que nous devons espérer. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Donc ce qui nous attend, c'est la gloire. Et quelqu'un qui est rempli de l'Esprit de Dieu, le Seigneur va toujours te montrer comment cette situation va tourner vers la gloire. Comment cette situation va tourner vers la gloire. Il va nous aider à voir quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve. Il va nous ouvrir les yeux pour nous faire voir l'héritage. Il parle de la richesse de la gloire. Son héritage est riche en gloire. Et Dieu a réservé ça pour nous. Franchement, avant de quitter la terre ici, tu dois bénéficier des richesses de la gloire de Dieu. Parce que prochainement, nous allons parler de « Il va me glorifier ». Mais ici, je dis déjà que Dieu a prévu les richesses de gloire dans ta vie. La petite pauvreté malheureuse du monde ne peut pas te retenir, ne peut pas te priver des richesses de gloire que Dieu a prévues pour toi. Voilà pourquoi ce n'est pas un ange qui est venu, c'est tout un Dieu qui est venu, c'est le Saint-Esprit qui est venu pour te révéler afin que tu marches sur la voie de ton héritage. Il va te révéler des choses que tu dois accepter, des choses que tu ne dois pas accepter. Parce que ton Père, qui est dans le ciel, étant riche,
Il a réservé pour toi des grandes choses. Et c'est le Saint-Esprit qui doit te révéler ça. Alors je ne serai pas surpris que tu rêves une nomination aujourd'hui, demain tu l'attrapes. Que tu rêves une bonne affaire aujourd'hui, demain tu la réalises aussi. Que ton capital passe de 100 à 1000, de 1000 à 10 000, de 10 000 à 100 000, de 100 000 à 1 million. Il passe comme ça ton capital parce que le Dieu que tu sers, il est un Dieu riche et sa richesse à plusieurs gloires. Il y a des gens qui sont riches seulement en or. Ils sont riches en diamants. Mais Dieu, il est riche en quoi? En tout. Tout ce que tu peux imaginer, il est le propriétaire de tout pleinement. Il dit que les yeux doivent s'ouvrir afin que nous sachions quel est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. Je suis en train de dire à quelqu'un ceci. Quand le Saint-Esprit travaille dans ta vie, dans le domaine de la connaissance, il va te permettre de recevoir déjà des visions sur la puissance de Dieu qui doit se manifester dans ta vie. La puissance de Dieu, il te fait connaître que le Dieu que tu adores, il est capable de faire ça. Il est capable de faire ça. Avec lui, tu peux espérer ça. Lui a telle richesse, telle richesse. Il vient t'ouvrir les yeux pour que tu voies au travers de la parole, au travers des songes, au travers des visions, au travers d'exhortations, au travers des messages de tout genre. Il vient te montrer, ce que tu dois attendre dans l'avenir. Et je prie même que chaque fois qui vient, comme il est écrit, qu'il prendra les choses continuellement, les choses qui sont en haut, et il viendra te livrer en main propre. Ah oui, je crois que ce mois ici, il viendra en main propre avec la santé. Le mois prochain, il vient en main propre avec un travail. Le mois, il vient en main propre avec un mariage. L'autre mois là, il vient en main propre avec les enfants. À une autre occasion, il vient en main propre avec les biens que tu attendais. Il vient en main propre avec un ministère que tu n'as jamais imaginé. Il vient en main propre avec la puissance de Dieu qui va se manifester. Il vient en main propre avec les richesses que tu dois recevoir. Il vient en main propre avec l'espérance que tu dois garder en toi pour des choses que tu n'as jamais vues. C'est le travail qu'il fait pendant que tu pries. Il vient te communiquer que ton avenir est différent de ton passé. Et il y a des gens très assurés. Tu le vois vraiment, tu veux même te moquer de lui. Mais il est très assuré. Parce que le Saint-Esprit lui a fait voir les choses. Et quand il te fait voir ces choses qui te font grandir dans la connaissance de Dieu, tu ne peux pas te laisser intimider par quoi que ce soit. C'est pourquoi même chez Potiphar, Joseph n'était pas intimidé. Ni la femme de Potiphar, ni les biens de Potiphar, ni les richesses de Potiphar, parce qu'il savait que lui-même était appelé. Un jour, il a vu le soleil venir s'incliner devant lui. Le soleil et la lune se courbaient devant lui. Donc les grandes personnalités vont me respecter. Il regarde la femme de Potiphar. Petit niveau. Les brebis de Potiphar. Petit niveau. La richesse de Potiphar. Petit niveau. Même si on le jette en prison, les faveurs de
prison, petit niveau, jusqu'à ce qu'il arrive chez Pharaon. Ah, Pharaon, c'est ça le niveau, c'est ça le niveau, c'est ça le niveau. Le Saint-Esprit t'aidera à dire, ne gaspille pas ton énergie ici. Ça c'est un petit niveau, toi tu n'es pas ici, toi tu es quelqu'un de loin, ne gaspille pas ton énergie ici. Ne termine pas ta foi dans ces choses ici. Continue à croire qu'il y a meilleur que ce que tu es en train d'avoir ici. Il ne faut pas être comme les fourmis ailées. Vous savez, les fourmis qui passent leur temps en dessous de la lumière la nuit. Là. Ces fourmis-là qui ont des ailes. Quand vous les regardez la nuit, ils sont en train de se réjouir de ces lampes-là jusqu'à perdre les ailes. Maintenant, quand le soleil va sortir, ils sont partis. Ils deviennent la nourriture des oiseaux. Donc, ils se sont réjouis pour une lumière petit niveau. Et quand le vrai soleil arrive, ils ont déjà perdu. Dieu te donne une petite bénédiction ici. À peine tu as parlé en langue, tu deviens rokobocheur. Dès que tu passes à rokoboré, pour que tout le monde voit que tu es déjà au niveau de Baba. J'ai reçu trois jeunes gens dans mon bureau un jour. Et il dit, nous sommes venus pour que tu mettes ta main sur nous. Parce que Dieu nous amène maintenant au niveau du monde entier. Nous avons fini avec Kinshasa, avec le Congo. Maintenant, c'est le monde entier. Et Dieu nous a dit, tu pries pour nous. Je leur ai posé la question. Vous habitez où? À Lemba. Vous avez déjà prêché en Ngaba? Oh non. Vous avez déjà prêché à la Gombe? Vous à la Gombe? Nanouté. À Lubumbashi? À Lubumbashi? Nanoukoutouté. Mais le monde entier. Donc, le Congo là que vous avez fait. Congo, il y a ce Lemba. N'ayez pas la grande intention sur vous-même. Marchez dans la connaissance de Dieu. Et laissez l'Esprit te faire grandir. Jusqu'à ce que tu atteignes un niveau. Quand tu pries, tu vois l'espoir. Tu vois l'espérance. Quand tu pries, tu vois les richesses que Dieu a prévues pour toi. Quand tu pries, tu vois la démonstration de la puissance de Dieu. Et tu ne doutes de rien parce que tu connais ce Dieu-là. L'Esprit t'ouvre les pour que tu voies que le Dieu à qui tu t'adresses, voici de quoi il est capable. Pour que tu saisisses au niveau de l'Esprit. Oh, je prie que chaque jour, l'Esprit de Dieu t'amène ce qu'il faut comme qualité pour que tu deviennes sage, que tu deviennes intelligent, que les yeux de ton cœur s'ouvrent, que tu commences à voir ta vraie richesse, que tu commences à voir la vraie puissance de Dieu. Quelqu'un qui est à ce niveau ne se laissera jamais intimider lorsqu'on lui dit, j'ai vu une main noire dans ta vie. Jamais il se laissera intimider parce que lui, le Saint-Esprit lui amène en main propre la révélation de la grandeur de la puissance de Dieu qui s'est manifestée en Jésus-Christ. Il voit ça. Oh, que tu atteignes ce niveau. Que Dieu te bénisse. Parce que toi-même, en main propre, dans ton esprit, tu reçois ces choses-là. Et tu sais que tu es à ce niveau de communion. 1 Jean chapitre 2, verset 27 nous dit, 1 Jean chapitre 2, verset 27, pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez.
en lui, selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Donc gardez-vous. Restez attachés à l'esprit. Quand quelqu'un vient te dire quelque chose, tu lui dis oui, le même esprit est en moi. Il doit me confirmer. Même si c'est une bonne chose, s'il me confirme, pas, je risque de m'attacher à quelque chose qui n'arrivera pas. Il va t'enseigner. Il va te conduire. L'enseignement, c'est le fait de faire grandir ta connaissance au travers de l'échange d'informations. Il vient te donner l'information et à partir de cette information, ta connaissance seulement. Mais ces informations sont dans des sujets bien déterminés. C'est pourquoi ça s'appelle enseignement. Qu'il en fasse ainsi pour toi. Troisième élément, nous sommes dans les secteurs de manifestation. Les secteurs dans lesquels le Saint-Esprit vient nous révéler l'avenir. Nous sommes toujours dans notre deuxième point. Quels sont ces secteurs-là? Le premier secteur, ou le premier domaine, c'est notre mission, notre appel. Il vient nous révéler des choses par rapport à notre appel. Il y a des miracles que tu dois faire que tu n'as pas encore fait. Il va te révéler. Et quand il va te révéler, tu ne croiras pas. Même quand ça va arriver, tu ne croiras pas non plus. Mais il t'aura montré des choses comme ça. Mais il veut aussi travailler dans le domaine de la connaissance de Dieu pour te révéler des choses liées à la connaissance de Dieu. Parce que lorsque tu connais Dieu comme il faut, tu seras attaché à lui. Ta foi va grandir. Et puis tu verras clairement ton avenir au travers de ce Dieu que tu découvres au fur et à mesure. Alors le troisième secteur dans lequel il vient nous aider, ce sont les événements qui nous entourent. Les événements présents et à venir que Dieu a planifié. La Bible dit que Dieu ne fait rien sans révéler à ses prophètes. Il y a ici quelques deux textes que j'aimerais lire avec vous. Le premier est dans les Actes des Apôtres, chapitre 21, versets 10 à 14. Actes des Apôtres 21, 10 à 14. Wow. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus, il descendit du Judée et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul. Il se lia les mains et les pieds et dit, voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs les lieront de la même manière à Jérusalem et les livreront entre les mains des païens. Quand nous entendîmes cela, nous et ceux de l'endroit, nous priâmes Paul de ne pas monter à Jérusalem. Alors il répondit, que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur? Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. Comme il ne se laissait pas persuader, nous n'insistâmes pas et nous dîmes que la volonté du Seigneur se fasse. Bien-aimés,
Le Saint-Esprit révèle des choses qui doivent nous arriver dans notre vie. Il révèle cela, soit par nous, soit par le canal de ceux qui sont autour. Ici, c'est que j'aimerais insister. C'est qu'un monsieur vient, un prophète, il prend la ceinture de Paul, il fait la déclaration. Il dit le propriétaire de cette ceinture, on va les lier comme ça. Dieu avait instruit les prophètes dans le temps d'accompagner des signes leurs prophéties. Parce que le signe veut dire Dieu ne va pas changer de décision. Donc quand Dieu pousse un prophète à accompagner la prophétie d'un signe symbolique. Donc cette prophétie-là, Dieu ne va pas changer. Quoi de vous fassiez? Quand il dit à un prophète, va chez Salomon, déchire ton manteau et dis-lui que le pays sera divisé. Il ne va pas changer. Quand il dit à Esaïe, marche nu dans la rue, commence à dire, voici ce qui va arriver aux gens qui vont aller en Égypte. Ils seront comme moi. Donc Dieu, quand il fait accompagner d'un signe, ça veut dire que cette chose-là, vous ne pouvez pas négocier, ça ne changera pas. Et c'est ce que Agabus fait ici. Il prend la ceinture de Paul, il lit. Il dit l'homme qui va passer, le propriétaire de la ceinture, on va le lier les mains et les pieds comme ça. On va les livrer aux païens. Mais ce n'est pas n'importe qui va l'arrêter. C'est des juifs. Alors Luc qui est en train de raconter ici. Il dit, quand nous avons appris ça, nous avons dit à Paul, alors ne va pas là-bas. Parce que le Saint-Esprit lui-même, il est en train d'indiquer qu'il y a les dangers. Mais le même esprit qui indique qu'il y a les dangers, c'est le même esprit qui lui avait déjà parlé. Ces choses-là t'arriveront. Et lui avait déjà accepté que ça lui arrive pour la gloire de Dieu. L'Esprit l'avait déjà préparé en train de lui dire, voilà là où tu vas, c'est ce qu'on va faire. Et ce que le prophète là vient dire ne fait que confirmer ce qu'il savait déjà. C'est ici que j'aimerais attirer l'attention de tous. Cherchez que Dieu vous parle d'abord, vous, ou qu'il vienne confirmer chez vous au lieu de dépendre seulement des choses qui viennent d'ailleurs. Parce que si Dieu ne lui avait pas parlé, il allait accepter la proposition de tout le monde ici. Il n'allait pas partir à Jérusalem. Et l'objectif de sa mission ne serait jamais arrivé. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, il peut y avoir des prophéties, des choses vraies, mais vous devez recevoir ça en vous comme confirmation. Et Dieu vous dira quelle attitude il faut prendre. Est-ce qu'il faut accepter ça ou bien il ne faut pas accepter? S'il faut accepter, Dieu va te préparer. C'est par là que tu vas passer. C'est par là que tu vas passer. Tu traverseras cette épreuve, mais tu ne seras pas détruit. Le feu ne te brûlera pas et les eaux ne te submergeront pas. Ça te fera mal, mais tu passeras. Alors, bien aimé dans le Seigneur, l'Esprit de Dieu vient nous avertir, nous prévenir des choses à venir en rapport avec notre mission, en rapport avec la connaissance de Dieu que nous avons, en rapport avec
tout ce qui se passe dans notre environnement. C'est très important que nous sachions que plusieurs personnes nous verront dans leur vision ou dans leur prophétie. Mais le Saint-Esprit a d'abord le rôle de te préparer toi-même à ne pas marcher sur les prophéties des autres sans avoir reçu toi-même une certaine confirmation de ces choses. Ça, c'est important. Parce que lui, il a la prophétie. Toi, tu as le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en toi. Et d'ailleurs, il est prévu que toutes les prophéties doivent faire l'objet d'un discernement. Donc, il faut le mettre comme ça. Si c'est dans le temps, alors attendez le temps. Quand le temps arrive, vous vérifiez. Avant le temps, vous n'êtes pas censé accepter ou refuser. Parce que c'est dans le temps. Oh non, demain il va pleuvoir. Attendons demain. Il y a un jeune homme qui est venu me voir. J'entrais dans le culte. Il dit, le Seigneur m'a dit, aujourd'hui, il ne faut pas prêcher. On va te tuer à la chair. J'ai vraiment vu cette vision. Je lui ai dit, attends, on se voit après l'événement. Si je ne suis plus là, c'est que Dieu t'a montré que je vais mourir. Mais si je suis là, on va en discuter. Et après la chair, je l'ai cherché. Moïse. Eh bien, bonjour, je l'ai vu. Le jeune homme vient ici. Il commence à dire, pardonnez-moi, papa, pardonnez-moi. Je ne sais pas ce qui me prend. Je dis, non, peut-être Dieu veut te conduire sur le chemin des prophéties, des révélations, mais tu ne discernes pas très bien. Alors, on va en discuter un peu plus tard. Les gens verront. Mais toi, tu dois d'abord voir. Parce que celui qui est en toi, il a la mission de te révéler les choses qui doivent venir. C'est lui qui doit te révéler. Et les autres viennent en appui par rapport à ce que tu as reçu. Actes des Apôtres 27. Actes des Apôtres 27, versets 21 à 26. Actes 27, 21 à 26. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit, « Ô homme, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète. » afin d'éviter ces périls et ces dommages. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra. Il n'y aura que perte, et il n'y aura de perte que pour ce navire. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit, Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a dit. Mais nous devons échouer quelque part dans une île. Écoutez, bien-aimé. Le Saint-Esprit avait fait voir à Paul qu'il y a un danger dans ce bateau. Il y a un danger dans ce bateau. Il y a un danger. Et il va dire aux gens, ne prenons pas cette direction. Ne quittons pas aujourd'hui. Parce qu'il y a un danger. Lui, c'est un prisonnier. Qui va faire le cas à un prisonnier? Et pourtant, le Saint-Esprit lui avait dit deux choses. Un, il y a un danger ici. Deux, tu vas arriver à Jérusalem. Tu arriveras à Jérusalem. Mais il y a un danger dans ce bateau. Maintenant,
Si c'était vous à la place, vous allez même éviter de voyager. Mais lui a accepté ces deux choses-là. Parce que Dieu peut te dire deux choses qui paraissent contradictoires. Mais il faut les mettre dans le temps pour que tu sois rassuré. Il te dit, tu seras à Jérusalem. Et puis il te dit, il y a un accident ici. C'est normal. C'est que je ne vais pas mourir dans cet accident-là. Parce que si je mets les choses dans le temps, je serai à Jérusalem. Mais avant d'arriver à Jérusalem, il y aura cet accident ici. Tout à fait normal que vous ne soyez pas embrouillé lorsque Dieu est en train de vous donner des messages qui semblent contradictoires. Ici, lorsque l'incident doit arriver. Il y avait un vent qu'on appelait Akion qui frappait. Paul était conscient de l'accident dont Dieu m'avait parlé. C'est ça ici. Donc c'est sûr qu'il a prié. Maintenant je fais quoi? Dieu lui envoie un ange. Il lui envoie la vision. En fait, quand on dit Dieu t'envoie un ange, c'est aussi en d'autres termes, le Saint-Esprit qui t'ouvre les yeux pour que tu vois qu'il y a un maître. Alors que le bateau est en train de bouger, mais à côté de toi, un malabar, Akion, ça ne lui dit rien. Il se promène dans Akion, le vent souffle, tsunami peut venir, mais lui va doucement, calme, oh notre Dieu, calmement en train de traverser ça. Et il lui dit, ce bateau ici disparaîtra. Mais Dieu te donne la vie de tous ces hommes. Voyez comment votre foi, avec la révélation, peut vous aider à protéger tout un peuple, toute une famille. Parce que Dieu te montre par où il faut passer, ce qui va réellement arriver. C'est pourquoi il ne faut pas déjà crier au désastre, même lorsque Dieu vous montre qu'il y a un danger. Dieu peut vous montrer qu'il y a un danger, mais cela ne veut pas dire que vous allez disparaître dans ce danger-là. Vous devez discerner qu'est-ce qu'il faut faire. Voilà pourquoi il ne faut pas qu'on se dispute sur des prophéties, mais il faut qu'on sache quelle est la vraie attitude que Dieu veut que nous prenions au travers de ces dangers. Un jour, un serviteur de Dieu m'a dit, on était en train de prier pour le pays. Il vient et me dit, mon cher, moi je vais en Angola. Parce qu'ici il n'y aura. Tu vois, on était dans mon bureau là, Crown Tower. Il dit, tu vois tous ces bâtiments. J'ai vu ça par terre. Et Dieu m'a prévenu. Je vais en Angola. Je vais en Angola. Va en Angola. Mais nous allons relever ce bâtiment. Toi, tu fuis parce que ça va tomber. Mais nous, il ne nous a pas dit d'aller en Angola. Et nous allons relever ça. Ou bien alors, ça ne tombera pas. Parce que nous aussi, nous sommes là. Il y a un danger. Mais nous pouvons l'écarter aussi. Donc même si vous voyez le mois de juin prédit qu'il y a des choses, c'est vrai. On ne discute pas ça. Mais vous n'êtes pas obligé d'accepter ça. Nous pouvons aussi écarter ça. Nous n'allons pas tous subir le sort de quelques individus. Non. Si toi tu as des problèmes avec Dieu, règle ça avec Dieu. Mais nous n'avons pas de problème. Et nous ne voulons pas mourir à cause de ton problème. Non, pas du tout. Parce que nous sommes comme des Josué et comme des Caleb. Nous sommes dans le désert. Dieu est fâché contre tout le monde. Mais nous n'avons pas un mauvais témoignage. Nous témoignons seulement que Dieu nous donnera la vie. Que Dieu nous donnera la vie. Dieu nous donnera le mois de juin. 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 Nous on témoigne seulement parce qu'on a foi. On sait qu'il y a un danger. Mais aussi Dieu peut nous écouter.
Nous sommes ici dans une série de Dieu qui dit, si jamais un malheur doit arriver, il y a des gens dans la ville que je vais voir. Ils peuvent sauver leur vie. Donc ne nous mettons pas tous dans un même panier. Dieu fera la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Alors on n'a pas tous besoin d'avoir peur que ceux qui arrivent doit distinguer les uns les autres. Mais pour le mois de juin, nous prions que ce soit élevé de mon cœur. Et ces choses-là que des gens ont vues, qui sont aussi vraies, mais nous prions, dit, laissez un peu de côté. Laissez-nous traverser ce mois dans le calme. Parce qu'il y a toujours des profiteurs de ce genre de... Alors Paul, il savait. Et l'ange lui a dit, les gens que tu as ici, y compris ceux qui t'ont arrêté, y compris ceux qui t'ont menotté, ils sont sous ton pouvoir. Je n'ai pas besoin d'être un chef pour avoir de l'influence dans l'endroit où je suis. Non. J'ai besoin d'avoir la foi. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, tu n'as pas besoin d'être bourgmestre pour que ta commune soit en paix. Non. Tu as besoin d'avoir la foi que Dieu va bénir ta commune et elle sera bénie. Et si tu travailles pour le bien de cette commune-là et tu pries pour le bien de cette, ça va marcher. Voilà. Voilà. Je disais que le Saint-Esprit nous donne des révélations, des directives dans trois secteurs. Notre mission, notre appel, dans la connaissance de Dieu. Parce que ça, c'est très important. Tu connaîtras la vérité. La vérité te rendra. Plus tu connais Dieu, plus tu lui fais confiance. Et plus tu comprends que ton avenir est déjà garanti. Et puis, dans les secteurs des événements de la vie, il viendra t'expliquer de bien faire la lecture de ce qui se passe. Ce qui se passe, ça veut dire quoi? Il t'expliquera. Mais il te donnera aussi ton sort dans ce qui se passe. Parce que ce qui se passe doit se passer. Oh, la pandémie, elle doit venir. Quelles sont les leçons que Dieu nous donne? Voilà, répentons-nous et faisons ceci. Mais moi-même, alors, qu'est-ce que Dieu a demandé? Donc, oh, nous pouvons commencer à réfléchir du point de vue du monde, du point de vue du pays, mais Dieu aura aussi un message particulier pour toi-même. Et c'est ce qui est plus important que tu puisses porter dans l'avenir. Le troisième point et le dernier point, je vais expliquer un peu le but et les moyens que Dieu utilise, le Saint-Esprit utilise pour nous parler. Premier but, c'est l'avertissement. Et nous éviter des échecs. En tout cas, s'il te donne l'intelligence, c'est pour réussir. C'est pourquoi je crois que tu réussiras. Je crois que tu réussiras. C'est comme ça qu'il a dit à Josué. C'est ainsi que tu auras du succès. C'est ainsi que tu réussiras. Et je dis à quelqu'un ici, l'Éternel ordonne que tu sois puissant, que tu réussisses et que tu t'en sortes. Dans Job, il est écrit ceci. Job 33, versets 14 à 18. Job 33, 14 à 18. Dieu parle, cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements. Il met un cachet sur ses instructions afin de
détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil afin de garantir son âme de la force et sa vie de coups du glaive de l'épée. Donc, c'est pour vous éviter qu'on vous tape. C'est pour éviter que tu tombes dans un trou. C'est pour que tu ne te détournes du mal. C'est pour que tu ne sois pas orgueilleux. Que Dieu prépare des songes. Les songes, ce sont des révélations que Dieu nous donne pendant que nous dormons sur des choses auxquelles on n'a jamais pensé. Tu n'as pas pensé à ça, mais Dieu te montre, il te révèle pendant que tu dors, il te révèle cette chose-là. Nabucodonosor a eu un songe. Et vous savez la différence entre songe et rêve. Le rêve, c'est un prolongement de tes pensées pendant la journée. Si tu as pensé dans une direction, il est probable que tu rêves dans ce sens-là. Mais le songe, c'est des choses auxquelles tu n'as pas pensé. Alors, il dit que Dieu, il parle par des songes, mais il peut aussi te montrer des visions, des événements pendant que tu es en train de voir en esprit. C'est ton esprit qui est enlevé. Tu es dans un état où ton corps est complètement, ton intelligence absente de ce qui se passe. Un niveau très élevé. Paul est en train de dire que je connais un homme. Si c'est dans son corps, je ne connais pas ce homme. Il était enlevé. Dieu peut utiliser ton esprit pour l'amener dans des endroits particuliers et te faire vivre des choses particulières. Pourquoi ? Pour t'avertir ou pour t'aider à avertir. Il dit ici, il met un sceau à ses instructions. C'est pour donner un caractère particulier à un événement. Pour que tu n'oublies pas ça et que tu ne négliges pas ça. Il a mis un cachet. Il a officialisé ça. Tu dois nécessairement comprendre. Donc Dieu nous aide à nous détourner du mal et il nous a donné le Saint-Esprit qui nous révèle des choses pendant que nous dormons. Soit à un niveau inférieur des songes, soit à un niveau plus élevé où nous voyons des choses que les yeux ne peuvent pas voir, que les oreilles ne peuvent pas entendre. Nous entendons ces choses-là. Nous avons des expériences que le monde ne peut pas imaginer. Oh, que Dieu t'amène à une certaine hauteur. La Bible dit qu'il prendra les choses d'en haut et continuellement il viendra t'amener. Il t'amènera songe sur songe, vision sur vision et des choses comme ça, afin de t'avertir ou de t'aider à avertir les autres. Mais aussi, il peut utiliser les sons, les rêves pour préparer ton ennemi à échouer. Pas les songes, mais les rêves. Parce qu'il va réfléchir sur ça. Dans Ésaïe, il dit ceci. 29, verset 8. Ésaïe 29, verset 8. Il nous donne des avertissements. Ésaïe 29, verset 8. Ésaïe 29, verset 8 dit ceci.
Quand celui qui a faim rêve qu'il mange, puis il s'éveille, l'estomac vide. Et comme celui qui a soif rêve qu'il boit, puis il s'éveille, il est épuisé et languissant. Ainsi en sera-t-il de la multitude des nations qui viendront t'attaquer. Est-ce que tu me suis? La multitude des gens, ils vont rêver. Mais la réalité sera autre chose. Je le déclare dans ta vie. Plusieurs vont rêver qu'ils t'ont mangé. Mais ils auront toujours la faim. Ils vont rêver qu'ils ont bu de ton sang. Jamais de la vie. Parce qu'en toi, c'est le sang de Christ qui est en train de te couvrir et de circuler. C'est la même chose pour ce pays. Je le déclare dans le nom de Jésus. Plusieurs viendront attaquer plusieurs nations. Ils viendront attaquer la montagne de Sion. Et Dieu sera déjà descendu là. Et il va protéger. Que ta vie soit protégée. Que tes ennemis fassent des rêves de confusion. Ils vont rêver ton échec. Ils vont rêver. Ah, vous l'avez entendu. Hein? Ah, on l'a suspendu. Hein? On l'a chassé. Hein? On a fait ceci. Et le lendemain, tu es toujours en train de circuler normalement. Cet enfant-là, il botamera donc calmement au nom de qui? De Jésus-Christ. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, j'étais en train de dire que le Saint-Esprit vient pour nous avertir afin de nous faire échapper aux échecs. Mais aussi, il vient nous révéler la position de notre adversaire. Nous n'avons pas besoin de le craindre. Des fois, c'est toi qui fais ce rêve ici. Les nations viennent t'attaquer. Mais Dieu prend leur rêve. Il te communique. Ce n'est pas ton rêve. C'est eux qui rêvent qu'ils vont faire ça. Mais Dieu est en train de te dire, ça ne s'accomplira pas. Il y a ton songe en toi. Mais il y a des rêves de gens que Dieu peut te communiquer. Pour te dire, regarde ce que les gens pensent de toi. Et il te montre ça sous forme de rêve. Mais c'est grave. Non, prie seulement. Et de la même manière que quelqu'un, nous on faisait ça souvent. Moi je pensais pas que c'était dans la Bible. Parce que ce que la Bible dit là, moi je vivais ça. Tu rêves en train de manger et pourtant la journée au bétango et l'autre. Donc la nuit tu as fait les manger copieusement. Et puis tu entends un bruit. Kiou na liboumou. Maintenant tu comprends que c'est ça la vérité. La dernière chose, le Saint-Esprit vient faire ça pour nous donner l'intelligence des temps, l'intelligence des saisons, pour que nous soyons en mesure de discerner les saisons. Et je vais terminer ici. Ésaïe 28, verset 23 à 29. Ésaïe 28, 23 à 29. Prête l'oreille et écoutez ma voix. Soyez attentif et écoutez ma parole. Celui qui laboure pour semer, laboure-t-il toujours? Ouvre-t-il et brise-t-il toujours son terrain? N'est-ce pas après en avoir aplani la surface qu'il répand de la nielle et sème du cumin? Qu'il met le froment par rangée, l'orge à une place marquée?
son Dieu lui a enseigné la marche à suivre. Il lui a donné ses instructions. On ne foule pas l'agneau avec les traîneaux. On ne foule pas l'agneau avec les traîneaux. On ne foule pas les blés avec les traîneaux. Et la roue du chariot ne passe pas sur la semence. Voilà, donc, on bat les blés, on bat les blés. Verset 28, on bat les blés, les blés. Mais on ne les bat pas toujours. Donc Dieu te donnera l'intelligence de savoir quand il faut faire quoi et quand il faut arrêter et quand il faut avancer. La Bible dit au verset 26, son Dieu lui a enseigné la marche à suivre. Que Dieu te dise. Ça, c'est la saison pour s'aimer. Et que tu sèmes. Ça, c'est la saison pour s'aimer. Parce qu'il te révèle les saisons. C'est des choses qui ont des effets dans l'avenir. Or, il y a un avenir qu'il faut saisir dans le présent. Donc, la manière de Dieu de te montrer des choses à venir, c'est de te pousser à poser des actes au présent qui ont des conséquences dans l'avenir. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, tu as entendu aujourd'hui que le Saint-Esprit, il est venu pour t'amener les choses d'en haut continuellement à main propre pour que ces choses t'accompagnent, apparaissent dans ta vie, viennent dans ta vie. Et il le fait dans le secteur de ton appel. Il le fait dans la connaissance que tu dois avoir. Et il le fait aussi pour que tu sois en mesure d'interpréter les circonstances qui entourent ta vie. Que tu aies les rêves, que tu aies les songes, que tu aies des visions. Sois prêt à recevoir l'explication qui vient de Dieu et à prendre des dispositions conséquentes. Que Dieu te bénisse pour avoir entendu cette parole. Bonne soirée.